Bonsoir à tous et bienvenue sur AssoWest. BPM Group devient distributeur de la marque Ducati dans le Grand Ouest et je vous propose de participer à l'inauguration de leur première concession ici à Orvault près de Nantes. Et vous allez le voir, il y a des belles motos et du beau monde. C'est parti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que BPM Group avait mis les petits plats dans les grands. 750 invités étaient accueillis par des cracheurs de feu à l'entrée qui donnaient le ton dès l'arrivée des convives. C'est Patrick Warnhauser, le PDG de BPM Group lui-même, qui a lancé les hostilités, accompagné par Laurent Moulet, représentant de Ducati France. Il a rappelé que Ducati avait choisi BPM Group pour la distribution de la marque dans tout le Grand Ouest, les deux entités partageant les mêmes valeurs du style, de sophistication et de performance, et surtout la volonté de se développer dans toute la région du Grand Ouest. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça démarre très fort, la concession de Nantes devenant ni plus ni moins l'une des plus grandes concessions de Ducati en Europe. Ce fut également l'occasion de présenter et révéler deux modèles emblématiques de la marque, la Panigale V2 et la Street Fighter V4S, qui, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo, n'ont pas laissé indifférents les fans de Ducati qui sont tombés littéralement sous le charme de ces machines incroyables. Mesdames et messieurs, Joan Zarco. Après la présentation de l'équipe de la concession, ce fut le clou de la soirée, l'arrivée de Joan Zarco, champion en catégorie reine de MotoGP, qui monta sur scène pour le plus grand plaisir de ses supporters. Après avoir rappelé son engagement auprès de la marque et d'avoir présenté sur scène son patron, le fameux Paolo Ciabatti, directeur de Ducati Corse, il a passé un long moment de partage avec ses fans venus nombreux, au programme dédicaces et selfies à gogo. Pour terminer l'inauguration en beauté, un heureux invité s'est vu offrir un séjour en Italie pour deux personnes, mais tout de suite, voyons voir ce que les participants ont pensé de leur soirée. Aurélien et Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous passez une bonne soirée? Ah oui, vraiment. Très très belle soirée. Je trouve l'événement super. Un accueil très chaleureux, c'est cool. Mais je trouve qu'il y a un beau partage entre tous les propriétaires de Ducati. Parmi toutes les motos de la concession, laquelle vous préférez? La Street Fighter V4S. Et la V4. Ah, la V4. V4. La Panigale V4. Ouais. Le V4, forcément, on connaît. C'est un super moteur. La Street Fighter V4. Ouais. Sans hésitation, la Street Fighter V4. La Street Fighter. Décidément. Ouais, elle est super. L'avant ramassé, je trouve ça extraordinaire. Celle qui est là-bas au fond, là, la Panigale. Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est la ligne épurée. En fait, Roadster et les 4 cylindres, là, ça va être le top, quoi. Maintenant, comme le disait Johan, pour une moto téléjour, la Vice Peak, la Multistrada. La Multistrada, exactement. Voilà, c'est une très belle moto et c'est un bon compromis, je pense. Est-ce que vous avez eu votre photo avec Joan Zarco? Oui. Oui. Notre idole. On espère qu'il va faire une très bonne saison. On lui souhaite. On est pour lui. Bonne chance. Ouais. Content de l'avoir eu, j'imagine. Les larmes aux yeux même. Les larmes aux yeux, ouais. Eh ben merci beaucoup messieurs et bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci à BPM Group et à la concession Ducati Strada Motors de Nantes pour cette incroyable soirée d'inauguration. À Joan Zarco d'avoir répondu présent à l'invitation et d'avoir rempli de bonheur ses fans qui lui ont bien rendu en étant nombreux à avoir fait le déplacement. Et ne manquez pas d'aller découvrir cette nouvelle concession Ducati à Nantes.